Activité 3. Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement? Bonjour madame, rien de spécial, je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait, je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas, c'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien, je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Activité 3. Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement? Bonjour madame, rien de spécial, je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait, je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas, c'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien, je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Activité 3. Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement? Bonjour madame, rien de spécial, je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait, je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas, c'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien, je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet.